de brouillage, en période de restriction, voilà, par le CNRD, dirigé par Idi Amin Dada, Aboubacar Sidiki Camara et Bala Laba Sankouye Yaganama Bala Samoura. Vous comprenez, non? Le larbin déjà désamorcé, Mamadi déjà amorcé, c'est-à-dire quand on sera dans 2024, décembre 2024 prochain, Inch'Allah, qu'Allah nous donne ces jours, on n'entendra plus parler de Mamadi Doumbouya. Ça, c'est fini. On n'entendra plus parler de Mamadi Doumbouya. Voilà. C'est fini, terminé. Voilà. On n'entendra plus parler de Mamadi Doumbouya. Vous venez vous partager le live. Vous venez vous partager le live, s'il vous plaît. Vous venez vous partager le live. Voilà. Vous venez vous partager le live. Envoyez à tout, je dis bien, tous les leaders politiques guinéens, tous les acteurs, voilà, que ce soit de la société civile, que ce soit, voilà, des leaders religieuses qui ne parlent plus, qui ne parlent pas, qui sont réduits en silence. Maintenant, quand les gens vont parler, de manifester, de réclamer leurs droits, on dit voilà, on est des musulmans, on dit voilà, on est des chrétiens, il faut mettre bas la terre. Mais en ce moment-là, pendant que le peuple souffre là, pendant que les plans sont en cours là, on ne voit pas de prêtre, on ne voit ni même pas de l'imam. Tout le monde est chez lui, mange son argent tranquillement, au calme quoi. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est vraiment très très important. Continuez à souffrir. Les nouveaux plans, les plans, je dis bien. Je veux que vous écrivez ça, vous notez. S'il vous plaît, les hommes de médias traditionnels, écrivez, vous notez, allez-y, enquêtez, faire vos investigations. Vous allez vraiment voir que c'est de la réalité. Alors, frères et sœurs guinéens et africains, vous n'êtes pas sans savoir que depuis tant de moments là, on est en train, je dis bien, en train d'annoncer que les gens là sont prêts à tout. Merci de partager. On est en période de brouillage. On est en période de brouillage. On est en période de brouillage. S'il vous plaît. La Guinée, c'est le VPN, mais s'il vous plaît, merci de partager. S'il vous plaît. Donc, Idi Amin, Bala Samoura, Mamadi hors jeu, Mamadi, depuis, il n'a pas été président. Ce n'est pas le président. Est-ce que vous comprenez? Donc, Mamadi nous a dit que le premier, c'est-à-dire le 31 décembre, après ça, 2024, qui ne sera pas à la tête du pays. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Parce que il va organiser l'élection. Selon lui, il y aura une organisation des élections et qu'on va partir voter. Il y aura un nouveau président. Donc, depuis cette déclaration, avant même cette déclaration, le gars, lui, Mamadi, son côté, était à la recherche de la personne idéale. C'est-à-dire, vous savez bel et bien qu'il a dit, je ne serai pas candidat, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Ça, c'est le plan de Mamadi que je suis en train d'expliquer avant d'élaborer, exposer le plan de Idi Amin et de Yaganama Bala. Donc, le plan de Mamadi est tombé à échéant, c'est-à-dire à échec. Pourquoi? Le plan de Mamadi, il y a une seule chose qui a fait échouer le plan de Mamadi. C'est pourquoi vous n'avez pas vu jusqu'à présent qu'on est rentré dans les réels processus pour nous dire que
nous allons réellement avoir pour partir aux élections. C'est-à-dire, c'est quoi? L'échec qui a fait que le président Selou Dalé n'est pas dans leurs mains. C'est ce qui a mis le plan de Mamadi dans l'eau. Le plan de Mamadi à lui. C'est ce que j'explique d'abord. Donc, le président Selou n'est pas dans la main. Donc, on ne peut pas anticiper pour aller aux élections. Il faut à tout prix faire le tout pour mettre la main sur Selou. Mais, toutes les tentatives sont vaines. Toutes les tentatives sont vaines côté du plan de Mamadi. Vous voyez, le gars, il a maigri. Vous voyez, le gars, il ne dort pas. Il ne dort absolument pas en Guinée. Quand il est parti à la Mecque pour le Umrah, quand il était parti pour faire le truc à Jeddah, la conférence là-bas pour assister à ça, je dis bien, quand il a vu qu'il était réellement à Jeddah, plutôt à la Mecque, comme on dit que c'est la ville sainte, tout le monde sait que là-bas, on n'utilise pas les armes. Tellement que le gars se sentait consciencieusement tranquille, consciencieusement en paix, il est rentré se coucher à 20h, heure de la Mecque là-bas, à 20h. Il s'est réveillé qu'à 14h le lendemain, 14h. Les gens même, les gardes avaient peur. Les gardes avaient peur tellement qu'il a dormi. Si vous finissez de regarder le live, allez-y regarder ses photos. Quand il est parti pour faire le tawa à la Kaaba, vous allez voir tellement que son visage est gros, il dormait. Il venait de se réveiller, il a dormi toute la journée là. Donc, le plan de Mamadi dans l'eau, Selou Dalé n'est pas dans la main. Est-ce que vous comprenez? Donc, le plan de Mamadi, c'est gâté. Le plan de Idi Amin et Bala. On t'a donné le pouvoir. Tu vas nous remettre le pouvoir. Obligatoirement. Idi Amin a infiltré les éléments des forces spéciales de ces hommes. Est-ce que vous comprenez? Les éléments des forces spéciales qui gardent Mamadi, parmi eux, il y a les infiltrés de Idi Amin là-bas, qui bossent pour Idi Amin. Même l'air que Mamadi respire, Idi Amin sait quelle quantité d'air qu'il respire. Est-ce que vous comprenez? Donc, le plan de Mamadi ne va pas être fonctionnel. C'est-à-dire, on ne partira pas aux élections. Pas des élections. Selou n'est pas, tombé dans le piège. Dieu a fait échouer le plan. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le plan de Idi Amin et Bala. Donc, si vous avez remarqué, actuellement, lors des conseils des ministres, c'est le défilé de mode. Défilé de mode, on dit, valorisons les textiles guinéens. Tantôt, c'est la moyenne Guinée, tantôt, c'est la basse côte, tantôt, c'est la forêt, tantôt, c'est la haute Guinée. Donc, Mamadi s'est mis dans le posture d'un président civil, mais tout en sachant que son plan a échoué. À lui, son plan a échoué. Maintenant, où est le grand problème? Comment la transition va transiter? Comment la transition va transiter? Quel serait mon sort? Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la transition, comment ça va transiter? C'est tombé à l'eau. C'est ça la vérité. C'est pourquoi le parrain, il a maigri. C'est pourquoi le parrain, il ne dort pas. Encore pire, Idi Amin n'a fait que enfoncer Mamadi avec les radiations des officiers de l'armée, avec la mutation de tous ces grands corps, c'est-à-dire les vrais commandos qu'il a mutés, faisant croire que c'était pour son bien, pour éviter qu'on le renverse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre président de transition est un jeune plein de vie qui a envie de vivre longtemps,
veut savourer la vie, la belle vie qu'il a déjà acquise, voilà, par le destin, qu'il n'aimerait pas perdre la vie. Donc, Mamadi, aujourd'hui, son plus grand problème, c'est de ne pas perdre la vie. Il ne veut pas mourir. Vous comprenez? Donc, il dit Amin, sa plus grande force sur Mamadi, il le rassure que ta vie, là, je vais tout faire pour sauver ta vie. Toute personne qui tenteront à ta vie, là, moi, je vais m'en occuper. Donc, comme le gars ne veut pas mourir, il dit Amin, lui, il sait ça. Donc, c'est son atout. Il utilise ça contre Mamadi pour dire que j'ai des informations. Parce que Idi Amin a son service de renseignement à lui. Bala Samoura a son service de renseignement à lui. Mamadi, lui, a son service de renseignement à lui basé à la présidence. Mais tous ces services de renseignement relèvent tous du ministère de la Défense. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui englobalise le CGR, la communauté guinéenne de renseignement, dont je suis en train d'enseigner, donner plus de leçons, parce qu'ils ne font pas réellement leur travail. Ou ils sont au courant, mais la majorité roule pour Idi Amin Dada. Vous comprenez? Donc, Mamadi signe les décrets de radiation parce qu'on le rassure que si tu ne radies pas ceux-là, ils vont venir te tuer. Alors que les vrais assassins, c'est eux. Le vrai bourreau, c'est lui. Merci pour les étoiles, monsieur ou madame Danaba. Est-ce que vous comprenez? Donc, Mamadi signe, signe, signe. Monsieur le Président Selou Dalein Diallo, Monsieur le Président Alpha Condé, Monsieur le Président Sidya Touré, Monsieur, Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, les acteurs politiques de la Guinée, apprêtez-vous, les plans de 2024 sont incroyables mais vrais. Incroyables mais vrais. J'ai dit d'écrire, de noter, parce que ça se passerait ainsi, Inch'Allah. L'on va se réveiller ou l'on va entendre dans la journée ou dans la nuit des déclarations à la télévision nationale, à la radio nationale, oui, sur la dissolution du CNRD. Le plan de Idi Amin est pas là. Vont dissoudre le CNRD actuel et vont demander à tous les acteurs politiques, à tous les leaders politiques, à commencer par Alpha Condé, vont faire rentrer Alpha Condé en fanfare, faire du populisme incroyable mais vrai, en nous disant on a cru mais ça n'a pas été ça. Nous demandons au peuple de Guinée de nous faire confiance, de suivre et nous faisons appel à tous de rentrer dans vos pays. Le président Selou, préparez-vous pour ça. Le plan machiavélique, comme dit Dadis, est en route. Vous accueillir en fanfare, envoyer des émissaires pour vous dire de rentrer en ce moment-là. La présidence ne sera plus gérée par Mamadi. Ils vont seulement dire, nous allons transiter. C'est-à-dire, la transition va transiter dans leurs mains pour aller aux élections. Parce que Mamadi, lui, son plan a échoué. On n'ira pas aux élections organisées par Mamadi. On ne partira pas aux élections. Il va y avoir coup. Ce coup-là, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est les plans pour 2024. C'est déjà acté, c'est déjà préparé. Tout est déjà prêt. Ce qui reste, c'est le jour, l'heure et l'ordre. C'est vraiment dommage et triste. Mais
Pourquoi l'alerte? Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas tomber dans leur plan. Parce qu'il ne faut pas manger ce tapas. Il ne faut pas mordre à ce tapas. Aussi simple que ça. Pourquoi le brouillage? Pourquoi on ne veut pas qu'on dénonce? Pour la simple et unique raison, Idi Amin, les plans de Idi Amin et de Bala, pour rien au monde, il ne faut pas que ces plans échouent. Pour rien au monde, il ne faut pas que ces plans-là échouent. Pour rien au monde. Donc, ces brouillages, l'une des principales raisons, c'est le soulèvement populaire. Parce que la seule région qui soutenait cette transition, qui est la forêt, a vu la vraie face qu'on a toujours expliquée. On a toujours expliqué à nos frères de la forêt, j'ai toujours expliqué, je vous ai toujours dit, vous avez vu mes raisons. Donc, ils ont vu que la forêt ne soutient pas, ne soutient plus à travers tout ce que vous savez. Donc, la forêt, c'est une région très, très, très dangereuse. Quand la forêt dit non à une personne, vraiment, il faut chercher ta tête. Quand la forêt dit non à une personne, vraiment, il faut chercher ta tête. C'est pourquoi, en matière d'élection en Guinée, tous les leaders politiques, tout leur rêve, c'est d'avoir la forêt. Tout leur rêve, c'est d'avoir la forêt. Ils sont minoritaires, mais la Guinée ne peut pas aller sans eux. C'est ça la vérité. Donc le brouillage, c'est pour ne pas que le plan échoue, parce que l'on se dirige directement vers un soulèvement populaire. Quand il y a soulèvement populaire, on arrête tout le monde, on met tout le monde en prison, et puis voilà, les vrais hommes de vrais coups d'État vont sortir dans l'ombre là pour empêcher le plan de Idi Amin et de Bala de fonctionner. Donc Idi Amin fait le tout pour le tout. Son petit qu'il a installé à l'ARPT, qui était installé depuis le jour du coup d'État au Villa 45 à côté du palais Mohamed V, ce sont ces éléments-là qui bossent à l'ARPT. Le jeune qu'on appelle la Mamadi Doumbouya, le petit jeune là. Mon frère, tu as appris les NTIC, tu t'es formé, mais pour venir servir le mal dans ton pays, ça te restera éternellement collé sur ta vie. Même tes arrière-arrière-petits-fils, on dira que c'est ton grand-père qui a contribué à ça. Aussi simple que ça, pour te faire de l'argent, continuer à te faire de l'argent. Donc, sache-le, c'est en marche, c'est prêt. Mamadi a infiltré des hommes de Idi Amin. Quand vous entendez un coup d'État et qu'on passe les communiqués à la télévision nationale, à la radio nationale, et on dit que Mamadi est arrêté, et voilà où il est en fuite, sache-le que c'est Idi Amin et Bala qui vont rester là. Ils vont faire appel à Alpha Condé, ils vont faire appel au président Sélou, ils vont demander que toutes les charges actuellement de la CRIEF contre les leaders politiques incarcérés en prison soient abandonnées. Est-ce que vous comprenez? Soit abandonné, juste faire le populisme pour laisser asseoir leur pouvoir, et au fur et à mesure qu'ils vont bien s'installer, vous allez voir une autre face. Et toute personne qui sera dans le pays en ce moment, toute personne qui sera dans le pays en ce moment, on va vous retirer vos passeports. Même si il ne retire pas, mais vous allez être sous surveillance, vous n'allez plus quitter le pays. Plus quitter le pays. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, ils vont faire annonce, Mamadi n'est plus président, tout le monde va être rassuré, parce que pour tout le monde, c'est Mamadi qui est le coupable actuellement de la Guinée. C'est lui le principal coupable. Donc, sa femme fait le job, mais vous oubliez que ceux qui sont réellement derrière, Mamadi ne compte pas pour eux, c'est leur intérêt. C'est leur intérêt. Le voyage de Idi Amin en France,
aussi simple que ça. Il est jeune, Mamadi. Il peut faire l'affaire, Mamadi. Mais trop d'erreurs, lui veut vivre. C'est ça la vérité aujourd'hui. La vérité sur votre, notre président de transition, il veut vivre. Le gars veut vivre. L'argent qu'il a eu, il veut partir. Est-ce que vous comprenez? Il veut partir, hein? Les postures de civils, là, c'est juste du décor. Le plan a échoué. Le plan a échoué. Mais comment partir? Les représailles. Alors, que personne ne tombe dans le panneau, que personne ne morde à l'appât, parce que quand vous allez rentrer, vous n'allez plus sortir de ce pays. Voilà. Merci d'être là, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à toutes et à tous. On est ensemble. Et un supporter d'Alpha Condé, il dit, mon frère, tu rêves, vous ne connaissez pas le PRAC. Vraiment, on ne connaît pas le PRAC. Mais le peuple sait que tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est le PRAC qui est le seul et unique responsable. Donc si on laisse tomber le PRAC, il ne faut pas venir avec les idées bêtes-bêtes là, ici. D'habitude, je ne réponds pas aux commentaires. Mais le PRAC, lui-même, sait que c'est lui qui a créé ce problème. Et qu'il doit absolument tout faire pour régler ce problème. Là où il est, il regrette amèrement toutes ces erreurs-là. Comme c'est un humain, on accepte. On accepte pour ce pays. Voilà. À très vite. Merci d'être là. Et puis voilà. On se dit à ce soir. Merci pour les étoiles, Aissatou Diallo. Merci, on est ensemble. Notez bien. Ils vont faire annonce très bientôt. Les plans pour 2024. Les suites à suivre. Inch'Allah.